Bonsoir et bonjour pour nous toutes. Encore une fois, nous comptons présents la cache à grand fanatique, amis, compatriotes, supporters Canal ça. Et quel que soit dans le pays où il y a, et quel que soit à l'heure où vous êtes disponible pour assister à la vidéo ça, pas oublier abonner avec Canal ça. Quittez un commentaire avec un like et le fait ça. Ou encouragez nous ou ba nous plus force pour nous continuer chercher information par-ci par-là. En haut, en bas, sous côté, dans mi-temps, à gauche, à droite, pour nous venir informer, ou c'est devoir nous. C'est travail, nous, ça, c'est mission, nous, c'est qu'un peuple haïtien informé sur tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti. La police, encore une fois, fait l'obéir dans ton sel, bagayoté grave, en pilerelle, vite l'homme prend coup. Plusieurs bandits tombés et un policier tout qui perdit la ville et nek vite l'homme a saisi. Machine que le policier sa lui-même litéye, selon ça, nous avons comme information, il y a plusieurs policiers qui pète courir, nek yo quitté une machine, tout a marché, yo retiré koyo, qui donc nek sa yo pas mouri pour la patrie. Son bagay kon salye, et bien dans le moment, on a parlé là, vite l'homme, misé en deuil, misé a crié parce que soldats sa yo te vaut en pile pour vite l'homme nan kidnapper moun nan volo a fait moun nan tire moun c'est tout et donc gros activité sa yo que soldats sa yo qui jodi a là la police mortellement blessé yo tap régler nan pays ça. L'autre gros information qui domine actualité a gagné directeur Konatel là et ben qui dit même perdit la ville nan moment n'a parlé là et ben selon ça nous gagne comme information directeur Konatel là monsieur te fait. Donc cancer et cancer ça c'est lui même qui t'a et donc mettez monsieur en batte pour qu'on a parlé là. Donc c'est gros derrière dans pays d'Haïti qui donc et moun digital yo moun nat comme yo donc c'est un pile moun qui commençait à briller là parce que et directeur Konatel là lui-même monsieur allez monsieur pas là encore nous pral inviter ou en détail l'autre information que nous pote pour en dans vidéo ça mesdames et messieurs et bien divers chars blindés que la police a acheté dans le gouvernement Canada et donc c'est des chars et c'est des chats, c'est pas même chat encore parce que chat ça pas même qu'à monter monde dans opération que la police a fait et bien plusieurs dans chat ça au campé yo pas courir chat au pas force chat au ferme son bagage grave qui a passé dans le pays d'Haïti. Autorité canadienne yo prend haïtien haïtienne pour macaque parce que yo décidé vendre nous des chats que yo même yo pas besoin l'autre bord alors que 18 millions débloqués pour acheter chat pour dans le pays d'Haïti et jusqu'à kounia c'est pas un grain de grain chat dans le pays d'Haïti alors que comme là non mais mon Canada ça yo qui je dis à la c'est chaque refait chaque tout pas ok c'est yo y a pas remettre l'état haïtien pour venir combattre bandit pour venir combattre gang pour venir combattre insécurité dans petit pays ça Haïti chéri. En tout cas, nous allons vous donner des détails ou même qui nous voit sur le canal. Ça, si vous pouvez abonner, faire ça pour nous, même pendant que vous regardez la vidéo. Ça, c'est un grand moyen pour nous plus force. Nous chercher des informations tout côté pour nous porter pour. En attendant, nous avons audio ça avec un monde à faire bon. Nous allons vous donner des détails. Restez sur la vidéo jusqu'à la fin. Bonne écoute, tout le monde. Bon lundi. Nous avons sécurité, plusieurs grandes opérations menées par la police au cours du week-end écoulé dans l'aire métropolitaine et dans l'Antibonite. Plusieurs présumés bandits ont été mortellement blessés. Quelles seront les nouvelles étapes de la police? LB a frappé sérieusement. Il y a pour nous remarquer, c'est que la police n'a pas jamais campé. Le directeur général de la police, M. Franz LB, ou qu'a peut-être reproché de l'autre de bagarre, oui, mais. Depuis de M. Moutea. Mais il y a des gros bagarres qui ont reproché Franz LB. Mais dans le dossier sécurité dans le pays, ce matin, moi-même, nous-mêmes, l'émission en débat, m'a questionné la relation Haïti avec le Canada sous question de sécurité. Claire. En tant que citoyen, moi-même, Lugo Désir, m'a posé question sous relation qui gagne entre le Canada avec Haïti sous question de sécurité. Parce que, madame, monsieur, il n'est pas normal. OK? D'un ambassadeur canadien en Haïti, à monsieur Carrière, laissez taper ses justifiés tête-là. Il m'entendait dernièrement, M. Lemoine Bono, sous Radio Caraïbe, qui est intervenu sous question comment que l'État ici s'était fait auprès du Canada, qui t'a posé question, qui le
matériel ça avec blender privé dans pays. Elle te dit clairement que nouvelle liste révoquée parce qu'elle pas de droit. Non mais non, ambassadeur canadien monsieur Carrière. Et même ambassadeur canadien ça, OK, porter plainte pour Fritz Dorvilliers, ancien consul révoqué. Ambassade et ancien consul général à Montréal, d'Haïti à Montréal. Il révoqué. Et révoqué monsieur. Correct. Mais nous même nous pas c'est achète figue. Nous pas connait jodi a. Quel type de relation Haïti gagne avec le Canada sous question de sécurité? Parce que Haïti va commander 18 blindés maintenant tout du Canada. Et au bail 3. Dans ce premier temps, Canada a envoyé 3 blindés pour Haïti. 3 blindés usagés. Ah bon même. Qui prend pas de nom des policiers, bandits. C'est équipe blindage, la police là. Les blindés sont venus qui modifient les blindés au maintenant tout. Oui. OK? Parce que vous n'avez pas qu'être côté que tu as fait un blindé. Et si vous avez tiré avec bandit, les policiers qui ont donné des ordres, vous avez atteint 2 balles. Maintenant, une équipe qui sort du Canada, qui vient en Haïti, qui chute avec l'équipe blindage PNH en Haïti, ils prennent note de toute modification que l'équipe blindage en Haïti a. Ils ont fait sous blindage, sous blindé. Ils sont partis, et de fait, deux blindés, vous voyez là, tout ça, l'équipe blindage en Haïti a été dit pour faire. Yo même yo modifié blindé donc au Canada. Sauf que madame monsieur dans la presse canadienne yo dit c'est don il y est. Ah ben c'est ça. Yo parle, il va parler de comme si m'ta de suite. Ils ont l'argent. L'argent nous était bail là non. Non. Ça m'a posé question. Qui ou la soit gagné ça lié avec le Canada sous question de sécurité. L'autre deux blindés qui fait venir madame monsieur. Effectivement c'est deux blindés neuf. Effectivement, modification que l'équipe blindage la police en Haïti a demandé, puis au fait, yo fait, on a deux blindés, puis matin, deux blindés qui viennent, ils n'ont pas fait pour monter mon. Oh, la police a mené une opération hier, notre Thomasin, blindé pas en panne. Encore, dernier, oui. Ils ont campé hier. Des derniers, oui. Deux blindés, ils ont campé hier, notre Thomasin. Parce que blindés, ça n'ont pas fait pour te monter mon. Donc c'est blindé qui t'es fait pour mener opération dans Platon. Haïti. Hier là-bas. La police policière qui n'a blindé son magé moui. Parce que là où il vient en l'air avec blindé ça, tout blindé au campé. Parce que lui pas fait pour monter mon. Mais Haïti est pour payer mon taille. Et pour payer mon nié. Kounia là, si ma fait comment? Et pas en fonction des réalités, mon fait, monsieur. Ma connaît. Mais matin. Monsieur. C'est passé nous dans tête pour rien. Est-ce que c'est vous passez nous dans tête ou bien nous même capacité nous dans tête? C'est nous passer tête nous dans tête. Parce que attendez, si ma fait comment? Ma fait comment en fonction des réalités? En fonction de besoin? Ou pas qu'à dire blindé ça ou pas monter mon alors que pays est chargé mon. Chargé mon. Merci. Ouais, bah, ça m'a gardé, là, je ne comprends pas. Moi, je ne connais pas pourquoi ça va quitter l'équipe blindage, la police là. Ils ont même assuré de ça, de comment blindé. Écoutez. Haïti commande des armes, lui passe par le Canada, jusqu'à ce côté des armes ça où. Madame, monsieur, qui politique a fait avec Haïti là? Haïti te commande des armes. Pourquoi ça tout hypocrite? Parce que le baguette dirigeant, parce que son équipe salope, nous sommes équipe vagabond, cabrancé. Les étrangers, ouais, on va étrangers, pas grand sérieux pour régler pour vous. Oh, yeah. Dans la mesure où même, ou camper, interlocuteur là. Comment imagine on consul, le fait qu'il parle sous, même pas qu'il blindage ça. Libandé évoqué au consul là. Il m'a dit, il fait, générique évoqué, monsieur. Même pas ça. Ah, il est vraiment, monsieur. Au journaliste, oui, le man Bono. Oh. Au journaliste, parler de questions blindage ça. Dans Radio Caraïbe, nouvelle évoqué. Parce que l'ambassade du Canada m'a demandé pour évoquer. Alors ça, et même non. Nouvelle liste, patron média ça, patron ça, elle regarde Nona, est-ce qu'elle paye? Alors pour est-ce qu'elle paye Nona pour employer? Alors on a dit madame monsieur, c'est le man bon qui est cabinet radio qui dit ça. Mais oui. Alors ça c'est incompréhensible. Okay? Elle dit parce que l'ambassade du Canada m'a demandé nouvelle liste pour évoquer. Et de fait nouvelle liste évoquer. Alors il a demandé le pour mettre ton net d'excuse parce que pour qui ça parce que Joma tellement on est à moun. Monsieur le moine bon non monsieur et parti intellectuel qui là non regardez monsieur le moine bon non on a dit qui combien t'as une nouvelle suite 30 ans après 30 ans de service monsieur une nouvelle liste mais grave monsieur les faux remarques le combien compte ils sont vérité non ça va rien d'abdil toi du carré monsieur les faux remarques qui sont vérité le moine bon non venez demander pour présenter excuse parce que Joma qui c'est vérité vérité. Parce que l'ambassade du Canada, par un maire ou manque là, il m'a dit évoquer. L'ambassade a demandé. Et deux fois que l'évoquer. T'as l'ambassade du Canada à voir dossier sous lui. Elle est vagabondage, ça, monsieur. On paye. Il y a maintenant les sanctions. Elle est vagabondage, ça, monsieur. Mais c'est mes pays, alors qu'on a un petit blanc, comment. Mais c'est un problème. Moi, je suis en ou imaginez, un petit blanc, ce qu'on est sorti, il nous laisse le pays. Pourquoi ça est hypocrite? Vous pouvez être libre.
m'a coupé des cris. Non, mais le caca, nous connaissons. On dit que nous sommes sortis sur les bases. Canada permet qu'il y ait une pré-sanction contre un nègre comme si. Oui, vous avez Valdez, vous demandez une pré-sanction aux journalistes. Pré-sanction contre aux journalistes. Qui font remarque. Qui l'attendent de cas, qui font remarque, mes amis. Qui sont vérités. C'est pas comme ça. Alors, vous mettez la nourriture. Hypocrisie. Sur toute la ligne, madame. Mettez sous ça, il y a dit, la presse canadienne a dit c'est don. Oui. Le Canada fait avec Haïti. On a parlé là de presque 12 millions de dollars. À mon dit là, il faut qu'il réagisse, il faut que nous si il y a cadeau, il faut nous cadeau, il faut que nous dise. 12 millions de dollars. Si nous ne pas comme vrai. Parce que nous prenons comme pays, nous disons que nous baillons Canada pour acheter équipement. Nous faisons conférence, nous disons ça. Nous avons cléonné que nous baillons Canada comme. Combien l'argent dans le c'est dans le budget à même sorti. Dans qu'est-ce l'État. Donc, l'État. Kounia, la presse canadienne a parlé de dons. Don. Donc, il faut que nous éclaircissions, bagaille, monsieur, qui est-ce que nous te baillons comme ça? Si nous te baillons comme vrai, est-ce qui est-ce que nous te baillons comme ça? Parce que si vous parlez de dons, don veut dire fait cadeau. Correct. Ok. Ok, donc c'est faveur. Faveur. C'est faveur Canada fait. Et Léo, il faut qu'en faveur, bon, ça ouvre. Ok, trois premiers blindés, c'est trois blindés usagés, oui. Chargé, faille. Trois blindés usagés. Deux ça au bout de là, il va même monter maintenant. Ok, un cocoat comme chef. En tout cas, qui l'a absorbé dans le bazar, en tout cas, je ne sais pas. L'autre monde, sérieux, monde qui est éclairé pour diriger, il est absorbé. Et je me fais encore, nous saluer tout le monde, et bien son plaisir, et bien Salomon, pour nous même nous assimbrasser et information santé à dominer l'actualité. Et bien, avant que nous allions dans le cadre d'information, eh bien, nous connaissons que il y a une tristesse au niveau du gouvernement, c'est Léon Jean-Marie Guillaume, qui est directeur général du Conseil national des télécommunications Conatel. Eh bien, il s'est mouru là, jeudi lundi 16 janvier 2023 aux États-Unis. Eh bien, selon information source, eh bien, un organe régulateur secteur télécommunications, monsieur a souffert depuis plusieurs mois. Eh bien, monsieur est mouru, eh bien, d'après information, c'est un arrêt cardiaque. Eh bien, Jean-Marie Guillaume qui est occupé et poste directeur général Conatel à deux reprises de septembre 2011 à mars 2013 et puis octobre 2019 jusqu'à sa mort en janvier 2023. Eh bien, et nous souhaitons condoléances ensemble avec la famille Jean-Marie Guillaume qui lui-même est censé mourir directeur général Conatel. Information, yo, nous pourrons aller directement, eh bien, pour nous parler de dossier. La justice, eh bien, ancien ministre de justice et puis sécurité publique, la maître Berto Dorsé, accusé de corruption par maître Jacques Lafontaine. Eh bien, commissaire gouvernement Port-au-Prince, la maître Jacques Lafontaine, qui accusé ancien ministre de justice et sécurité et publique, la maître Berto Dorsé, de corruption et d'avoir versé des pots de vin à un conseiller du CSPJ, eh bien, pour capable de sortir un rapport contre lui-même, eh bien, dimanche, dans le cadre d'une interview que l'Université de Bayeux, le Conseil supérieur pouvoir judiciaire, c'est un organe de contrôle qui exerce eh bien, sous magistrat, un droit de surveillance et de discipline et qui dispose d'un pouvoir général, information et puis recommandation eh bien, sous l'état magistrature, là, eh bien, une enquête qui est menée par celui-ci et sur 78, dont M. Jacques Lafontaine. Et mes suites, ensemble avec résultat, rapport, processus de certification des juges par le CSPJ, eh bien, qui allait à l'encontre de Maître Jacques Lafontaine. Eh bien, Maître Jacques Lafontaine, qui lui-même, qui déclarait les victimes d'abus de pouvoir par un juge, un conseiller, et non CSPJ. Eh bien, ministre de Justice, là, récemment, qui révoquait, eh bien, il versait et il baille l'argent avec un conseiller qui était membre du CSPJ, eh bien, pour capable manipuler et de décider contre lui-même et bien dans le cadre de certification CSPJA, c'est ça que M. Jacques Lafontaine lui-même lui dénoncé. Évoqué le 11 novembre 2022 dernier, la preuve que le commissaire gouvernement Port-au-Prince-là et qui toujours au poste, et bien cependant, par une forme administrative qui est faite pour être capable d'installer de ce fait, le commissaire et gouvernement Port-au-Prince-là, j'ai dit prêt pour aller en prison et
et papier et fin d'études libres, lui-même qui dit que il t'a faux, et qui est capable de prouver que lui-même n'est pas allé dans l'école du droit. Et bien, il contestait le rapport et puis il demandait pour réviser le, mais surtout, et bien, support et bien, force vive de la nation pour capable faire échec ensemble avec le rapport ça, qui selon lui-même, qui montait et toute pièce contre lui-même. Et bien, Abdouke, si il a regardé pour nous dans l'histoire, il y a un paquet de bonnes et magistrats qui ont même dit que lui-même n'ont pas certifié. Et bien, pendant que M. a parlé, et bien, monsieur fait une déclaration là, il y a plus de monde qui dit qu'il va comprendre parce que monsieur dit comme ça que, et bien, M. l'a dit, il y a deux mondes lui-même, il y a un pour envers eux, c'est premièrement, il parlait de Jésus-Christ et puis il parlait de Ariel Henry. Mais c'est deux mondes que lui-même dit qu'on est que il y a une dette pour eux. Et bien, on déclare son grand plus de monde qui dit que mes amis vont comprendre pour que on monte qui c'est un avocat, et bien, et pour même vous consacrer lui-même, il a fait vos déclarations. Et Jimmy Mbakone, est-ce qu'on gagne une déclaration en attendant que et Salomon semble gagner une rectification que lui-même a livré et porté ou bien un jugement que lui-même il peut aller pour le calafé parce que, et Salomon, j'ai l'impression qu'on gagne toute liste et juge parce que, ah, regardez, oui, je pense que nous pouvons gagner pour être capable de suivre la vidéo avant que nous-mêmes nous capables et bien, on a une opinion sur ça qui a passé là. Voilà, mesdames et messieurs, bon, nous invitons à entendre extrait ça, c'est très important quand même. Nous partons pour vous. Et on entendait que yo, t'as écarté dans la certification, alors que pour deux raisons fondamentales, parmi tant d'autres qui paguent fondement, d'abord, yo dit me libérer deux Mexicains en drogue, qui sont au CAI qui vivent pas de prince, pour l'argent. ADM paquet qui transfère pour ces malversations connues de tous. Dans le paquet, il dit que je volais tout le corps de lui, paquet. Et me répondre, me dit, par une note de dénonciation. Conseiller, ministre d'or, c'est monnayé pour capable et influencer de l'autre conseiller pour être capable de camper en face moi dans le bail. C'est parce que justement, il a gagné à compétence, monnayé par le ministre d'or. Et qui lui-même demande des bagages pour me faire pour lui me faire. Il demande de me libérer sur son famille Mbafel. Il demande de me libérer Angela Estime Mbafel. Il demande de me libérer dans l'audience sur le bénéfice de la loi de l'espinasse, la Kouabi Mbafel. Et que maintenant, tant d'autres bagages encore. Il demande de me conclusion favorable. Là, on demande de me lever sous quatre policiers qui n'ont pas dossier président Mbafel. Ok? Il fait l'autre monde faire Mbafel. Actuellement, je ne parle pas de policiers qui sont coupables de ça. Si vous ne parlez pas, si vous ne parlez pas, vous êtes libéré. Parce que c'est le cabinet qui te fait droit, qui te fait demander en main levée. Comment on est ministre pour le cabinet fait demander en main levée? Nous entendons, hein? C'est quand même des accusations extrêmement graves. Hein? Surtout à la fin, monsieur dit que Beto Dorsey t'a demandé de libérer 5 policiers qui impliqué dans la mort président Jovenel Moïse. Est-ce qu'elle nous tendait, mesdames, messieurs? Sans compter son sort la familiale. Donc, c'est sérieux accusation, ça, yo. Et puis, pas oublier, dans le moment où on a parlé là, nous dit que justement, il y a un plan qu'a fait là pour Beto Dorsey sauver Al Cuba pour le cabaret d'une arrestation. Oui, Salomon. Oui, avant que nous passions, Salomon, nous connaissons que Beto Dorsey lui-même, qui vient pour te répondre en deuxième convocation. Eh bien, et DCPJ, eh bien, pour faire trafic d'âme, et puis munitions, eh bien, Beto Dorsey, eh bien, monsieur lui-même, il n'y a pas répondre, il a une intention pour aller à Cuba, la passer par République Dominicaine, eh bien, c'est ça que, information qui s'est articulée dans les couloirs. Eh bien, ancien ministre de Justice, qui était condamné en 1997 pour trafic de stupéfiants, Beto Dorsey, qui n'y a pas répondre à une deuxième convocation, et à la DCPJ, eh bien, dans le cadre du dossier, et cargaison d'armes et puis munitions de port de paix. Maintenant, nous avons effectué en pile démarche pour capable voyager vers Cuba. Il a passé par la République Dominicaine pour capable éviter de subir même sort que pour Benson Pierre-Louis, qui est membre cabinet qui lui-même, et lorsque nous sommes ministre de justice, et bien qui est incarcéré au pénitencier national, dans quatre dossiers cargaison d'armes et puis munitions à port de paix. Et d'apporter que ancien numéro 1 et ministère de la justice là,
et qui récemment sanctionné par le Canada pour trafic d'armes et ses relations avec des gangs armés. Bon, je pense que et Salomon et dossier et Berto dossier ça, mes amis, sont beaucoup dossiers dès que tout le monde est saisi lorsque et pour les ministres italiens qui fait choix de mettre dossier et que en plus le monde connaît l'été et juge de paix et nous c'était dans on série du bagage, nous c'était dans voler, c'était dans paquet de bonnes et puis qu'on y a c'est lui-même qui mettait, mais c'est tout normal. Nous pensons que c'est content. Lui-même, il tape toujours et pareil pour le monde, ensemble avec et n'importe quelle autorité pour la société calagée, bandit par lui, puisque nous connaissons que M. c'était avocat, groupe sous-génère, et qu'il peut dire, mais il va là. Mais son bar est logique que M. tape toujours fait tentative pour la société capable de libérer. Mais puisque et Jacques Lafontaine mettait caca chata dehors, nous pensons que et son dossier n'a pas su. Salomon. Bon. Et toi, Adèle? Et juste avant d'entrer dans le dossier et d'être dans le CA, mais bon, nous m'ont cité, ils m'ont passé un souli rapide. Et le fameux Jean-Marie Guillaume qui mourit. Parce que pas mon gâteau à rouler qui est Jean-Marie Guillaume, non. Jean-Marie Guillaume, c'est un homme qui est dans la propre appel diaspora, c'est Haïti. Et c'est un homme tout, dans la question et de la séquence, non. Dans la question infirmière, hein? Puis c'est un homme promotionnel. Ça va bien? Et Jean-Marie Guillaume va mourir là. Jean-Marie Guillaume, si je vais Messenger, tu vas WhatsApp, ça veut dire, pour la prime à tout diaspora, sans penser de la 50, de la 76 diaspora, il te voler, il va y m'appeler. Avec ton aide, tu peux travailler bien, et ça va être vraiment dit nous ça, j'ai des noms où nous sommes passés, là nous avons à courir avec eux. Avant de la vie des gens, qui est-ce qui mourit, et les malades, avec tout le monde, il faut la peine, toi. Pour ne pas crier, pour ne pas démarquer le bon Dieu qui est mort. Mais, Jean-Marie Guillaume, ça, pas oublier, moi, dis c'est l'une des mondes qui a connecté question à faire d'accord avec Haïti, et même de la seconde, c'est un homme qui a fait, c'est même un propos de la c'est un homme qui a fait comme, qui a fait ça va plus comme, et c'est l'une des mondes tout. Tout dernièrement, ils ont tout pas été installés en Haïti pour une conférence avec NASCOM et Gisèle. Et nous voyons, Jean-Marie Guillaume, son propre ambassade pour empêcher nos voisins, et nous voyons dire qu'il va au monde de pays, au lieu de nous marrer, au lieu de nous n'avoir pas beaucoup, où est-ce que des réponses, c'est le monde où nous avons réduit, non, malheur directeur, c'est pas fort pour nous, parce que l'extérieur, c'est eux-mêmes qui alimentent. Qui sont bandits, gangs d'appelants, parce qu'ils ont même du cause, vous, madame. Bon. Nous, on a aussi la justice, et puis qu'elle sont là. Ouais. Et Jean-Marie Guillaume, pour même un gars pour un, longtemps, les photos de WhatsApp là, après le PEO, c'est Jean-Marie Guillaume, et même qui démontre ma délire, comment on a posé l'argent. Tout le monde là, c'est Messenger, WhatsApp, qui est une gars pour un, on va mettre Jean-Marie Guillaume, ensemble avec l'équipe RCK. Je suis là, et que... Ah, mais c'est mon grand conseil, les États-Unis, et Rivé, et... Bon, conseil, je vais manger l'argent pour ça, mais l'argent mon mal, et bien, je suis là, et bien, je vais avec Guillaume, et nous avons dit, et bien, lui, allez, parti, mais moi, en plein monde, au lieu de faire la peine, moi, c'est vrai, j'ai prévu, parce que je dis, je vais avec Guillaume, c'est un homme qui a collecté l'argent, Et nous t'as dit, mesdames, messieurs, nous t'as dit 2023, ça n'a pas vu pour jouer. Depuis ces